Harry? Je suis en retard. Oui, mais enfin, c'est toi le père. Comment ça, c'est lui le père? C'est ça, pour les emmerdements, c'est moi le père, mais pour les anniversaires, c'est vous. Papa? Oui? J'aime pas le violon. Je sais. Alors pourquoi j'en fais? Dans un mois, tu as 18 ans, dans un mois, tu feras ce que tu voudras. Purée, je ne crois pas. En fait, dites-le ce qui se passe, ça suffit maintenant. Ça fait deux mois que tu fais la gueule, ça va, je quoi? Tu fais pas la gueule? Tu fais pas la gueule, tu fais porte de prison. On est au point où on se dit qu'il vaudrait mieux que tu quittes la maison, parce que là. Il n'est pas question, mais pas question, une seconde, que qui que ce soit vienne s'installer ici. Ah ! Sylvia, c'est pas ma femme. Les fils de son mec, c'est pas mes enfants. L'espèce de gouvernante qu'ils nous ont collé sur le dos, c'est pas la mère. Tu peux m'expliquer ce que je fais dans ce canapé ? Complexe, hein ? Bonjour, Jacques. Je suis en retard. Non, pas du tout. Mais les mecs, ils sont tous tellement nuls de nos jours. Oh, ben, ils sont pas tous nuls, quand même. Tu me pompes l'air. J'en ai plein d'autres, ta tête de courge. Ça chauffe. Bah, avant, ils étaient machos, mais maintenant, ils sont paumés. Je sais pas ce qu'elle dit. Ce qui peut m'énerver, ce Jack. Il colle à Marie, c'est pas croyable. De toute façon, c'est pas en roulant à côté de lui en vélo qu'elle va tomber enceinte. Tu crois? Attendez, je ne suis pas très bien. Vous viviez avec sa mère? Non, avec le père. D'ailleurs, je vis toujours. Ah, pardon, je ne vis pas avec le père. Je voudrais un renseignement pour un ami, Jacques, vous voyez qui c'est. Il voudrait savoir comment ça marche, le Viagra et tout ça. Alors, le Viagra... Michel, c'est toi le con qui a passé une commande de Viagra pour moi chez la pharmacienne? Moi? Pour le Viagra, toi?